Welcome to SFB News, guys. Aujourd'hui, c'est le trio. Misogod a pris un personal day. Sabbatical. Sabbatical today. He had things to handle. It's like a job. It's like a job. It's comme un job. C'est normal. On est avec Spenty, Kaza et un invité spécial qui, je pense, sincèrement, vous allez revoir plus souvent, selon moi. Si pour rien des Vikings, on va l'appeler. Absolument. notre boy Jalil. Jalil, tu peux te présenter aux gens. Salut tout le monde. Yeah. So, Jalil est un bon ami à nous. On l'a connu dans... Cégep. Même second. Cégep. Cégep. Ouais, Cégep. Ben, avant ça, les Vikings avant Nord, man. C'est ça. Pour moi. Secondaire. On a chillé beaucoup avec lui. Joueur de football, corner. Maintenant, il est à Toronto pour devenir un analyste sportif. Yes. Donc, il sait de quoi il parle. Il a de l'expérience. Un Viking fan. Gros Viking fan. Et puis, à cause d'un gros Viking fan, moi, je n'ai pas le temps. Je vais commencer tout de suite avec le sujet à Jalil. Tout de suite. C'est notre boy. Okay. Pas tant de niaiser. Jalil, on saute dessus. Qu'est-ce qui se passe avec tes Vikings? Yeah. So, ma question, c'est est-ce que tu penses que les Vikings vont faire les playoffs cette année? Ah, c'est difficile à dire parce que je t'aurais dit, en temps normal, là, s'il y aurait juste deux wildcards, je t'aurais dit non. Mais depuis qu'ils ont acheté le troisième wildcard, on voit des équipes qui commencent 0-2, 0-3 puis qui finissent par sneak in the playoffs. Puis leur division est d'après moi la plus faible de la NFC. Donc c'est relativement possible. Est-ce que je betterais dessus? Je mettrais mon argent dessus? Non, absolument pas. Absolument pas. Ce qui se passe avec les Vikings, c'est que je pense que naturellement, si quelqu'un regarde bien leur football puis connaisse leur football, c'est une équipe qui est excitante puis que tu regardes puis tu dis ça pas de sens que cette équipe là est 0-3 maintenant 1-3. Kirk Cousins joue aussi relativement bien, mais le problème c'est qu'ils sont élites seulement aux positions athlétiques. Fait que c'est sûr que pour un casual fan, tu regardes ça, ils sont élites à chaque position, ils se font dominer dans le line of scrimmage. Yes. À chaque game, ils se font dominer dans le line of scrimmage. Tu peux pas gagner des games. Tu le sais aussi bien que moi si tu domines pas le line of scrimmage. Leur offensive line est décimée par les blessures, puis à la base, leur starter était déjà pas bon. La défense s'est beaucoup améliorée avec Brian Flores, puis ça, j'expectais ça. Puis à la fin, c'est les turnovers. Les turnovers, c'est l'équipe qui lead la ligue dans le plus de turnovers, puis ils ont perdu 3 games par une possession. Ben, j'étais pas surpris de voir... Si tu limites le turnover, tu peux facilement être 4-0 ou 3-1 présentement. Ouais, mais l'année passée, vous avez Et tu regardes l'équipe de l'année passée, qui était une équipe qui ont battu le record du plus de tight game, de win by one score. C'est dû. Tu sais, comme moi, il y a un facteur chance au football. C'était dû pour régresser, puis je pense que cette année, c'est l'année de régression où ils sont en train de perdre les win by one score. Jalil, vas-y, Frank. C'est ça qu'on disait l'année passée. Votre yin puis votre yang est en train de se rebalancer. Donc là, vous êtes en train de perdre plus de game, one score game, que vous êtes en train d'en gagner. C'est ça qui arrive, man. Kirk Cousins, comme aujourd'hui, il a failli vous faire perdre parce qu'il a lancé un pick six. Un pick six. Un pick six de la red zone. C'est un 99 yards. So, I mean, Kirk Cousins, même s'il met 400 verges par passe puis 3 TD par game, il va trouver une manière de faire perdre une game. Ouais. Kirk Cousins, je suis pas d'accord. Je pense que c'est un bon carrière. Je pense qu'il est limite top 10, top 12, tu sais. Mais il faut qu'il y ait une offensive line. Il va te perdre la game s'il n'y a pas d'offensive line. Parce que dès qu'il y a de la pression, justement, c'est là qu'il panique, c'est là qu'il va faire une erreur, puis tout. Puis l'équipe est pas bâtie pour lui. Ils l'ont pas bâtie pour... C'est pas l'équipe bâtie pour un pocket quarterback. Je pense que Kirk Cousins pourrait exceller. Comme Kirk Cousins, là, je pense qu'il aurait été le QB idéal. Là, ils ont Brock Purdy maintenant, mais mettons que Brock Purdy aurait jamais été une révélation. Il aurait été un QB idéal pour les Niners. Absolument. Parce qu'il y a tous les outils autour de lui. Ouais. Comme Kirk Cousins accomplit cette passe against Emmanuel Sanders au Super Bowl à la place de Jimmy G. Il a fait quoi? Absolument. 12 en 19? Qui ça? Kirk Cousins. Ah, je pense qu'il était 12 en 19 aujourd'hui. Il n'a rien lancé, bro. C'est une vieille game. Ils n'avaient pas besoin de lancer pour non plus. Ah, il était 12 en 19. Mais ouais, l'offensive line, parce qu'en plus, aussi, l'offensive line, ils sont potables à la course, mais par la passe. Mais ouais, c'est l'inside offensive line surtout. Je pense qu'ils ont deux tackles qui sont vraiment élites. Si tu prêtes attention, les deux tackles sont élites. Mais l'inside offensive line, là, c'est la pire place où tu peux laisser la pression passer, là, parce que ton quarterback peut pas step up in the pocket. Et puis, que Cousin n'est pas athlétique comme ça. Zéro. Non, absolument pas. Ouais. All right. Mais oui, si on regarde la division, par exemple,
Yo, les Lions vont finir en premier, mais tu sais, Packers et Bears, je pense qu'il y a une possibilité pour Bears. Un peu le wildcard spot. Bears, oublie les Bears. Oublie les Bears. Ben, c'est ça, je dis, la division est battable. La division est battable. À la fin, là, il faut que tu battes ta division. Si tu bats ta division, t'as une chance aux séries à chaque fois. Il aurait cru que c'est les Lions les meilleurs. Moi. All right. On va passer à la première question d'aujourd'hui. On regarde dans la NFL. Il y a une game live présentement, c'est le Monday night. C'est Chiefs versus New York. Sunday night. C'est les Chiefs contre New York Jets. Moi, je suis tout seul avec les New York Jets à cause de la controverse qui s'est passée dans les derniers jours avec le nouveau QB qu'ils ont signé. Attends, tu viens-tu juste de dire que tu as pris les Jets pour gagner? Non, pas du tout. Je veux passer avec le sujet des Jets. Okay. Jamais de la vie. J'ai l'air fou. Je pensais, moi, j'en ai pas. T'as pris une commotion à ta game de flag, c'est ça qui est arrivé, là. Non. Je conseille les Jets, parce que les Jets ont fait des choses bizarres cette semaine, dont aller signer pick-up Trevor Siemian. Ouais. Je vais pas vous mentir, j'avais aucune idée c'est qui Trevor Siemian. Je vous dis la vérité. Donc, je m'attendais à ce que personne le connaisse et bizarrement, je vais vous dire que je le connais. Moi, je me rappelle c'est qui. Je me rappelle pas dans quel team il jouait. Je me rappelle c'est un backup. Ça a tout le temps été un backup. Il a rien fait d'exceptionnel, Trevor Siemian. Je me rappelle pas où il jouait. Peut-être toi, tu t'en rappelles. C'est lui qui a remplacé Peyton Manning avec les Broncos. Exactement. Avec les Broncos, c'est vrai. Et puis, il a gagné un Super Bowl en tant que third string QB avec les Broncos dans sa première année. Et puis, il a joué 38 games en 6 ans. Il a eu 7000 verges en seulement 6 ans. Il a eu 42 touchdowns, puis comme 28 interceptions. So, Trevor n'a rien fait de sérieux. Okay. So, pourquoi les Jets ont été signés un gars qui n'a rien fait de sérieux? Lorsque, tu as un gars comme Colin Kaepernick. Je savais que tu allais aller là. Qui a écrit une lettre aux Jets, comme un résumé qui s'entraîne à tous les jours, qui a écrit un résumé et qui t'a envoyé les tapes et t'as still pas voulu donner un essai. Donc, la question d'aujourd'hui est-ce que c'était une bonne idée de signer Trevor? Et pourquoi pas Colin over Trevor? J'allais le laisser commencer, après on va aller avec Frank. Ah, ok, parfait. Well, Trevor Siemian, c'est un joueur un petit peu bizarre, parce que aussi, si tu regardes son historique, il a joué avec les Vikings. J'ai jamais vu de terrain. Mais je me rappelle ce qui se passait. Mike Zimmer, c'est l'entente de Mike Zimmer. Mike Zimmer le détestait. Il absolument le détestait. Il est pas beau. Parce qu'il n'était pas de chialer, qu'il pratiquait pas bien. Il pratiquait comme la merde. Voilà. Yet, dans les pré-saisons, il était clairement le meilleur QB, et il s'est fait couper quand il était clairement le deuxième meilleur QB derrière Kirk Cousins. Donc, si tu pratiques pas bien, tu sais, c'est bizarre. Tu connais les coachs de la NFL, peut-être qu'ils vont juste. Mais c'est un gars qui a quand même relativement du talent. Il était pas horrible. Mm-hmm. Est-ce qu'il va être la solution pour les Jets sur les séries? Non. Non. C'est sûr que c'est pas ça. Ouais, mais pour répondre à ta deuxième question de Colin Kaepernick, je pense que. Écoute, je peux donner le meilleur exemple de Deshaun Watson maintenant. Deshaun Watson n'a pas joué pendant 2 ans, puis regarde comment pathétique il a l'air. Wow! Thank you, Jalil. Donc après ça, demander à Colin Kaepernick, qui n'a pas joué. Puis quoi maintenant? On va parler de quoi? 2016. 5 ans? 6 ans? Ça fait 7 ans qu'il n'a pas joué. 7 ans! 7 ans qu'il n'a pas vu un terrain de la NFL? Comment? Vraiment, c'est une perte de temps. Puis Colin Kaepernick aussi, là. Okay, je ne veux pas être méchant, mais sa lettre, là, ça, c'était. Ça va sonner méchant. Mais c'était triste et c'était de désespoir. Puis tu trahis tout ce que tu as dit. T'as comparé la NFL à de l'esclavagisme. T'es amené en cours. Puis après ça, tu veux retourner travailler pour eux. Exactement. Puis tu te demandes pourquoi ils veulent pas t'embaucher. T'as l'air d'une bonne hope. No lie. OK. Quand Kaepernick, là, ton histoire est faite dans la NFL. Accepte le chemin que tu as décidé de prendre. Puis regarde plus en arrière. Tu sais? All right, Spendy, ton tour. C'est un bon take. Premièrement, on parle de deux QB qui sont finis, qui sont done. So, je vois même pas pourquoi ça serait. Tu lèves cette question-là. Parce que. Ils ont signé Trevor, non? Oui, mais ils l'ont signé pour qu'il soit backup. Ils vont pas être. Non. Ils vont garder Garrett Wilson. Mais backup de ce gars-là? Non, arrêtez les chats. Backup de ce gars-là. Ce gars-là, lui, qui c'est 2 à 17, là. Trash. On s'en fout, il va être. Je suis d'accord, il va rester backup. Jusqu'à temps. À moins qu'il se blesse, il va rester backup. Trevor Siemian va pas toucher le field.
Garrett Wilson va rester sur le terrain jusqu'à temps qu'il se fasse. Zach Wilson. Zach Wilson, yeah. Wilson, jusqu'à temps qu'il se fait péter la jambe, la clavicule, le bras, la tête. Je suis d'accord. Vas-y, Freeman. J'approuve avec vous, écoute. Zach Wilson, les Jets, au moins, ils savent à quoi s'attendre avec lui. Ils ont déjà vu qu'est-ce qu'il va remettre comme travail. L'autre gars qui vient de signer, ils ne l'ont jamais vu en pleine action. C'est un gros bargain. Gros bargain, c'est pas tant un gros bargain. Il est pas payé cher. Il est payé fuck all, il est payé des peanuts, puis il jouera pas. So, on s'en fout. Il est juste là pour backup. On peut passer au prochain sujet. Je voulais dire de le mettre starter. Ah, il va starter au cas où que Zach Wilson se blesse. Il va se blesser. Il s'est pas eu une defense. C'est clair, il va prendre un sac de trop. Ciao, bye. Là, c'est sûr que Trevor joue à la 10e game. Ok, puis peut-être qu'il va être meilleur que Zach Wilson. Est-ce qu'on peut être d'accord? Que quand ils ont pris la décision de signer Travis Simeone, même s'ils auraient signé Colin Kaepernick, ils auraient signé n'importe quel des deux, à la place de faire un échange avec une équipe comme Kirk Cousins, où maintenant c'est le parfait moment pour faire un move pour, yep. D'autres QB qui sont intéressants, tu sais, comment ça se fait que Dallas ont été capables d'aller chercher Trey Lance, tout ça, tu peux faire un move pour un QB, il y a des QB sur le market, mais c'est en pour ces deux gars-là. Alors, est-ce qu'on peut accepter que les Jets sont juste punt à la season? Ouais, c'est pour ça. C'est absolument vrai. Ben d'accord. Absolument vrai. T'as raison. Facts. Ils vont attendre que Rodgers soit healthy, puis ils vont revenir l'année prochaine. Avec un meilleur overall pick. Puis présentement, la raison aussi pourquoi Zach Wilson, à moins qu'il se blesse, Trevor Simeone ne verra jamais le terrain, c'est parce que là, ça leur donne un scapegoat. Yep. Pour la saison. Ben, ils savent qu'il est trash. So, ils vont juste le garder. Mais, puis Robert Saleh ne veut pas perdre sa job, puis il a besoin d'un scapegoat. Yeah. Moi, tout ce que je dis, c'est que le scapegoat aurait pu être Colin. Moi, je crois avoir mis Colin, ça aurait été. Yo, moi, je suis pro-black. Oui. À New York, en plus, la presse, tu sais, les médias à New York, puis tout. Non, c'est juste une distraction sur le dos de plus que t'as dans ta chambre. Tu veux pas vendre des billets? Tu veux pas vendre des chandails? Tu es à New York, tu vas vendre des billets, anyways. Yeah. Ils vont acheter des billets pour envoyer chier leur équipe sur le terrain. Littéralement, ils vont acheter des billets pour lancer des bières à leur équipe. Les New Yorkais, inquiète pas, ils vont acheter des billets. En parlant des fans. Trash, mon gars, vous avez-tu vu les fans des Bills aujourd'hui? Non, j'ai pas vu. Avec un trash bag sur le. Oh, wow! Il y en avait un qui s'était écrit Unbearable. Avec le bear. Wow. Les Lions ont juste passé leur queue sur Lions dans la division. C'est juste ça qui s'est passé. Frank, tu sais quoi? Les Knicks fans ont déjà fait ça à un moment donné. Les Knicks sont pas si bons. Ok, next, en parlant des Bears, on va à la prochaine game qu'on a regardé ce matin. Bears versus Broncos. J'ai pris cette game-là parce que c'est deux équipes trash. Les deux équipes de la ligue. Pour voir qui est plus trash que l'autre. Mm-hmm. Ben on a conclu que les Bears étaient l'équipe la plus trash. Oh. Après avoir repris un comeback de 28 points. 31 points. De 28 de déficit. Donc 31 à 28. Plus drôle dans tout ça, c'est qu'on disait que les deux équipes compétitionnaient pour perdre. Oui. Absolument. Cela. Après cette performance que, sincèrement, après cette performance des Bears, de Justin Fields. Et Justin Fields a joué sa meilleure game en carrière. Exactement. Oui, c'est ça le pire. Oui, c'est ça. Doit-il être échangé? Spenty, go first. Échangé, c'est pas le mot. Moi, cette année est déjà perdue. Comme vous avez déjà waste une année. Might as well finir l'année avec Justin Fields. Draft. Caleb Wilson, draft un autre QB que vous pouvez, que vous allez dans le top. Vous allez dans le top 3 pour aller draft. Donc, l'année est finie. Faites jouer Justin Fields, puis that's all, mon gars. Yo, comment le gars a joué sa meilleure game de sa vie? Puis, il a été capable de prendre un 21-point comeback win dans les mains de Russell Wilson et les Broncos. Les Broncos qui ont pris une carte de 70 à 5, à 20. Eh non, bro. La saison est finie. Les Bears. Ce qui fait le plus mal dans tout ça, c'est quand tu penses Chicago Bears, historiquement, tu penses quoi? Brian Urlacher. Tu penses que moi, un 21 point lead, c'est dead. T'as gagné la game. Oui, c'est les Chicago Bears, man. Ouais, c'est vrai. C'est mais j'ai pas aimé le move qu'ils ont fait. Quatrième essai, ils pouvaient kick un field goal de 20, genre 35 verges. Absolument. Puis ils ont essayé d'aller 4th and 1. Pour quelle raison? Manque de respect. Puis t'as perdu la game. Puis tu vois, puis Staley avait fait la même. Comme ça, c'est la nouvelle mode dans la NFL. Puis je suis pas fan. Je suis pas fan, personnellement. Ouais. Et puis moi, de mon côté, moi, je pense qu'il il devrait le garder, comme t'as dit aussi, Spenty. Moi, je pense qu'il a joué sa meilleure game à vie. Right? Rendu là, c'est plus la faute de Justin Fields, c'est la faute de la défense. Là, c'est vraiment les Bears. C'est vraiment le coaching staff défensif et l'équipe. Et les joueurs. Les joueurs.
c'est plus Justin. Justin a donné 28 points. Oh, il a fait qu'est-ce qu'il a fait. Et il a fait ce qu'il devait faire. Et pour moi, je pense que c'est à cause qu'il a arrêté d'écouter ses coachs puis a commencé à ball. Comme il avait dit qu'il allait le faire. Il a commencé à trust ses guts, qui l'a amené à les 28-0, puis la défense a juste floppé. Et s'il met d'autres bonnes performances comme ça, c'est mieux pour lui. Mais pour l'instant, les Bears, moi, je serais bien content de let it ride, puis on va retourner dans le top 5, puis on va avoir un bon draft. Jalil, toi, tu penses quoi? Échanger ou non? Moi, c'est pareil. À moins que tu aies une offre que tu peux pas refuser, tu joues la saison avec. Puis de toute manière, je pense que tu auras une offre plus alléchante durant le off-season pour Justin Fields que présentement. Mm-hmm. Ce qui est triste avec les Bears, c'est qu'ils avaient pas le first overall pick last year, puis ils l'ont trade. Ouais. Fait que là, ils vont avoir probablement encore le first overall pick. Comme tu regardes l'histoire des Bears, là, c'est un quarterback graveyard. Le meilleur QB in franchise history, c'est Jay Cutler. Okay. That's sad. J'ai vu une stat absolument incroyable où Justin Jefferson, maintenant, en 3 saisons, a plus de verges que tous les receveurs de l'histoire des Bears de Chicago. Comme le passing game à Chicago est inexistant, puis il est inexistant depuis 100 ans. Fait que je sais pas comment faire pour régler ça, mais man, you gotta draft better. Yeah, aussi simple que ça. C'est leur draft stop les dernières années est juste pathétique. Puis c'est pas qu'ils avaient pas les picks, c'est qu'ils ont waste les picks. les Bears, c'est une dead franchise. Comme. Ils ont eu leur fame dans les 70-80. Ouais. Dans le temps où le passing game n'existait pas. Ouais, exactement. Running seulement. Puis that's it. Ouais, sad pour les Bears fans. Est-ce que les Bears devraient draft Caleb Williams? Caleb Williams, pour les gens qui ne savent pas, c'est le QB de USC présentement, qui est en train de ball out. Ils viennent de battre Colorado, l'équipe de Deion Sanders, 48-41. Donc, pour les gens qui ont écouté ces games-là à cause de Deion, vous avez vu les performances de Caleb Williams, vous avez vu. Donc, la question, c'est est-ce qu'il devrait le draft? Personnellement, comme tu as dit, Jalil, je ne suis pas sûr qu'ils ont le first overall. Là, présentement, peu importe, ça va être entre les Broncos, les Jets puis les Bears pour le first overall pick. Si jamais ils l'ont... Potentiellement les Panthers. Ouais. Et puis, les Panthers vont faire mieux qu'eux autres parce qu'ils ont déjà Bryce Young. Mais les Panthers, ils vont reroll avec leur QB. Ils vont reroll avec... C'est impossible qu'ils aient prendre Caleb. So, moi, personnellement, je pense que oui, les Bears devraient aller le prendre. Est-ce qu'ils vont le prendre? Est-ce qu'ils vont avoir les Jets ou les Broncos? Ça, c'est la question. On ne sait pas. Mais oui, ils devraient le prendre. Spenty? Moi, comme je t'ai dit, ils vont être dans le top 3 pour draft. Ils vont devoir prendre un QB. That's it. That's all. Jalil? S'ils peuvent draft Caleb Williams, ils devraient draft Caleb Williams? Sinon, absolument. Sinon, ils vont Est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas. Ils ont passé en Patrick Mahomes pour Mitch Trubisky. Donc, il y a déjà ça. Puis, je peux rajouter le fait aussi que si je suis Caleb Williams, puis on a entendu son père qui parle de, dépendamment à quelle équipe a le first of all, s'il veut laisser son fils au college ou pas. Moi, je ne veux pas aller aux Bears. Je ne veux pas que mon fils aille aux Bears. reste une année Donc, de plus. Non, mais il y a le gars d'Oregon, beau, j'ai oublié c'est quoi son nom de famille. Le QB. Ouais, ben c'est ça, c'est sûr. Alors, on verra, parce que des fois, ils essaient tout le temps pour le flashy pick, les Bears, comment on se connaît notre football mieux que tout le monde, mais clairement, c'est pas le cas. Là. Ouais. Passant, Mahomes vient de lancer une mango aux Jets. Même lui, il a dit que c'est de sa faute. Comment dire qu'il a donné? On va prendre le temps de le regarder. Et pour savoir qu'est-ce qui s'est passé là, c'était une passe vers, I guess, Kelsey dans un corner route. Oh ouais, là, juste... Oh, wow! Oh, ben, ça, c'est Mahomes qui est... Ça, faut que tu vives avec Mahomes, parce que ça, c'est des mécaniques absolument horribles. Son pied dans les airs, c'est juste avec le wrist. Ouais. Mais en même temps, faut que tu vives avec ça, parce que quand il fait tes autres passes extraordinaires, you live by the sword and you die by the sword. Yep, well said. Après la performance des Bears contre les Bears, est-ce que les Broncos ont la pire défense de la NFL? Oui. Mais les Bears ont aussi la pire défense de la Ligue. Moi, je veux dire les Bears, guys. Moi, je suis désolé. Moi, je pensais les Bears. Les Bears ont donné un fat 13. Ils ont pris 31 points. Non, c'est les Broncos. Premièrement, les Broncos ont alloué assez de points la semaine dernière pour 3 games. OK? Juste là. Puis après ça, ils ont accordé... Oui, les Bears ont accordé autant de points contre les Broncos que les... Mais l'attaque des Broncos est potable. L'attaque des Bears est pathétique.
Exact. Ah, get. OK, hey, Broncos, it is. Broncos, mais juste le 70 points, man. Juste le 70 points. Dude, c'est trois games que t'as loué en 60 minutes. Je sais, mais j'allais comme si t'as la pire défense, mais tu sais réussir à gagner. Bon, OK, c'est okay. Les Bears. Je vais dire ça. C'est les Bears. C'est la pire défense statistiquement. Est-ce que c'est la pire défense sur papier? Absolument pas. Ils ont énormément beaucoup de temps, cette défense. Oui. Mais cette défense a already gave up on Sean Payton. Ou Russell Wilson. Oui, je ne sais pas qui, mais that defense gave up. C'est la raison qu'ils gave up. C'est la raison qu'ils gave up. Parce qu'ils ont du talent. L'année passée, ils étaient une top 5 defense avec le même talent. C'est fou. Je disais la même chose. Moi aussi, je disais que les Broncos avaient une bonne defense et ils devraient gagner des games. Chaque saison de SCB News, Spatine nous faisait nous rappeler que Broncos avait une des meilleures défenses à NFL. Ils ont des studs sur papier. Comme Patrick Surtain est un top 3 corner déjà là dans la NFL. Ils ont du pass rush. Ils ont juste give up on the year. Ils veulent plus jouer au football, puis ça paraît sur le terrain. Tu le vois quand ils essaient le tackle. Tu te rappelles qu'on était jeunes, puis les gars qui veulent pas frapper, puis tu le vois parce qu'ils viennent juste avec leurs bras pour juste montrer qu'ils ont passé. Ils font tout ça. Mais dans la NFL. Moi, j'ai vécu des offenses terribles, mon gars. Puis c'est pas nice, mon gars, quand t'es en defense, puis t'as des offenses de merde. J'ai toujours tout donné, moi, no matter what. Je suis 100% d'accord. Je suis 100% d'accord avec toi, Spanty, mais t'es un professionnel. Tu peux payer des millions, c'est ta job. Exactement. Il y a des games qu'on passait 95 jeux, 100 jeux. Donc, pour moi, c'est plus franc. Si je serais un Broncos fan, là, je regarderais ça, ça me donnerait envie de vomir. Pas te mentir. Absolument. All right. On va approcher. C'était pas à Rome en plus qu'on fait ça? C'est-tu à Miami qui ont accordé 70 points ou c'était à Denver? Non, c'était à Miami. Miami. Oh my god, une chance. Imagine que t'es à Denver, t'as fait. Mais imagine que t'es un Denver fan, là, pis t'as fait un trajet de Denver, 8 heures de route jusqu'à Miami, t'as payé ton ticket, t'es excité, là, t'as avancé avec ton kid. No c'est life. Ça le show que t'as. Non. Oh, ça me frustre. Non, moi, ça me frustre parce que d'où on paye pour aller voir ces games-là. Là. J'allais no lie à 50, j'enlève mon journal des Broncos, je suis devenu un Miami fan. Non, oui, à 100%. Yo, si je suis en avant, tu sais, quand t'es en avant, là, pis t'as payé une gros site, pis tu m'as mis dans ta jambe, j'enlève mon journal. Ah, 100%. All right, next game. Bengals versus Titans. Là, Bengals, là, bon. En passant, je me shout un panel de TikTok qui nous a fait un comment. Nicolas Roy, je pense son nom, qui a dit les gars, vous connaissez rien. Parce qu'on a dit que les Bengals vont pas faire les playoffs cette année s'ils continuent comme ça. What's up? What's good now? Avec ton 1-3, Burrow est clairement. Non, c'est pas Burrow. Faudrait. Je m'excuse, on va arrêter. Il est blessé. All right? The receipts. Non. La réussite qu'il faut que je te donne, c'est leur O-line. Il n'y a aucune O-line. Ça fait 4 ans que l'on est trash. Joe Burrow, mais il est blessé maintenant. C'est encore pire. Exactement. Moi, ça ne me dérange pas. This is not facts. Mais Patrick Roy nous a attaqué aussi. On parlait poupou. On l'a dit les facts. On a dit les SFB News, on t'a dit. Le Patnet est blessé. Le gars ne peut pas jouer. Le gars a lancé 165 verges. Depuis quand Burrow fait des games comme ça? Depuis qu'il est blessé. Voilà. Donc là, il a commencé l'année blessé, il n'y a pas d'O-line. Je ne connais pas Nicolas Roy. Moi, c'est comme je te dis, c'est la première fois que j'apparais dans votre show. Puis, je vais juste lui dire que tu n'as même pas besoin de regarder les statistiques. Non. Si tu es vraiment un fan de football et tu connais quelque chose de football, regarde avec tes yeux. Joe Burrow n'a pas l'air correct. Zéro. Il y a clairement quelque chose qui cloche. Exactement. Cela, maintenant qu'on sait ça, devrait-il reposer Burrow et oublier cette saison ou continuer? Mais risquer la blessure du mollet de Burrow. Tu reposes Joe Burrow. That's it. That's all. Je comprends même pas pourquoi il est encore en train de jouer. Ça aurait dû être depuis week 1. Week 1, tu lui donnes un break. Tu lui dis, bon, tu reviens week 3, tu reviens week 4. On est good, bro. On joue le backup. That's it. That's all. Jalil. Moi, je suis d'accord avec ça. Jalil. Je suis 100% d'accord qu'il faut que tu le restes. Il est censé déjà rest. La dernière fois, il a manqué la saison au complet pour vous autres. Vous avez quand même toujours pas retour. Vous n'avez jamais commit à reparer la O-line. Jamais. Tout un petit retool, signer des old free agents de 30 ans, 32 ans. Dude, au lieu de draft des first round picks sur ta O-line. J'avais dit, je comprends, OK, Jamar Chase est un stud. Mais at the time, quand ils ont draft Joe Burrow et Jamar Chase back-to-back, j'étais inquiet. Puis tout le monde me dit, moi j'étais inquiet parce que tu avais l'opportunité d'aller chercher un top O-line pour top tackle pour protéger ton top quarterback. Mm-hmm. Puis là, encore une fois, ça ressemble un petit peu à ce que je disais avec les Vikings. C'est qu'au football, si tu domines pas le line of scrimmage, puis tu as juste des fancy players dans le posé qui sont explosifs, ça donne rien si tu peux pas prendre le ballon à eux. Tu peux pas throw le ballon à eux, ils n'ont pas le temps. Joe Burrow, c'est le franchise de Bengals. Sans Joe Burrow, ils sont absolument rien. Ils devraient le rest. Puis là, ce qui m'inquiète, c'est j'ai l'impression qu'on va avoir
Moi, là, j'ai I see shades of RG3, man. Je vais être honnête, I see shades of RG3, puis ça m'inquiète. Yes. Gros TD. Gros TD des Jets en passant. Zach leur dit qu'il s'est réveillé un peu, mais bon. Freeman, t'avais quelque chose à dire? Ouais, vas-y. Et pour ceux qui ne savent pas, pour RG3, RG3 était un elite rookie quarterback. Ouais. Il n'y a ouais. aucune. Tout le monde sait qu'il était élite. Pour ceux qui sont trop jeunes, qui ne s'en rappellent pas, il était élite pour deux saisons. Il a tourné son ACL. Fini. Il est revenu de son tour ACL avec une O-line de merde. Il n'était pas protégé. Fini. Il a re-blessé durant les playoffs. Puis au lieu de le rest, ils l'ont re-send dans la playoff game. Mm-hmm. Puis après ça, il a magalé son genou et puis il n'a plus jamais été le même joueur. Ouais. Non. 100% d'accord avec toi. Freeman, Kaza, si tu veux. Mais c'est ça, je suis d'accord avec vous, il faut le reposer parce qu'il représente l'avenir de votre franchise. J'aimerais ça aussi faire une comparaison avec ce qui s'est passé à Derrick Rose avec les Chicago Bulls. Ouf, Derrick Rose. Exactement, quand il s'est blessé, ça aussi, ils l'ont ramené trop vite et puis les Bulls ont été irrelevant pendant des années après ça. Là. Je pense que ça a été leur meilleur joueur. 100%. C'est une de mes plus grosses années. Exactement, donc Joe Burrow, si vous voulez un avenir, les Bengals. Essayez-le de se reposer. La saison est déjà à la poubelle. Ça sert à rien d'essayer de faire un ego stroke. Et puis, vous n'avez pas à faire les playoffs. D'accord avec ça. Derrick Rose, la plus grosse tristesse que j'ai jamais vécue, man. All right, next. Moi, pour répondre à la question, guys, vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Je n'ai pas besoin de rajouter là-dessus. C'est la même chose. Bon, Titan. Ben, le temps, on donne une leçon de football aux Bengals. Est-ce que King Henry est back après sa performance d'aujourd'hui? He never left, bro. He left. He went to Cancun. And now, I think his family is back. He left. Bro, le gars faisait des 19 courses, 15 verges de average. Le gars a mal couru 3 semaines depuis la première fois de sa vie, mon gars. Donnez-lui une chance, man. Non, quand t'es King Henry, quand t'es un king... LeBron a connu des mauvaises games puis on n'a jamais dit qu'il était trash. Il a average toujours au moins 20 games. Il a toujours average 20 games parce que c'était un king. King Henry. Call yourself king, you need to perform every fucking game. Aujourd'hui, tu l'as dit, il y avait un meilleur QBR que fucking Zach Wilson. Exactement. C'est facts. Il y avait un meilleur QBR. Il y avait un touchdown. Il y a eu un pass TD, lui. So King Henry is back. He never left. He's back. He never left. He's not back yet. He never left. I need at least 3 games. Non. Bro, t'as vu ses performances dernière game? Le gars a pris 16 carries. Il n'a pas fait plus que 50 verges. J'allais le faire à ton boy. Il n'a pas eu 50 verges. Non. He's not back yet. Give me 3 more games avec 100 verges et plus, comme McCaffrey. Parce que maintenant, moi, je le dis maintenant, le vrai king, le running back présentement, c'est pas Taylor. C'est pas Barkley. C'est pas Henry. C'est CMC depuis le début. Mais si on appelle Derek Henry... White Gay, Lightning, baby. There you go. c'est un God. c'est un peu un King of the Gods si on regarde le nom de King Henry. CMC est devenu élite. Je suis un petit peu d'accord avec vous deux. Parce que je pense pas que he left. Comment? Puis je pense pas qu'il se back non plus, because he kind of never left, but he is on the decline. Oui. Il a 29 ans. Oui. It's the life of a running back, baby. Even the elite. J'ai vu Adrian Peterson go on the downhill, moi aussi, puis c'était triste à voir, mais c'est la vie, man. C'est vrai. Puis je pense que Derrick Henry, maintenant, il va être le type de joueur qui va avoir 5, 6, 7 games dominants dans la saison, mais il va plus être le dominant quasiment 15 à 14 games dans la saison, il va dominer la game. Puis je pense l'année prochaine, ça va réduire encore. Puis c'est for the time is undefeated. Yo, son workload. Mais je pense que c'est ça. Je pense pas qu'il est done. Il en reste encore clairement beaucoup dans le tank. Mais oui, on voit que par exemple, il n'est pas le même joueur qu'il était il y a 2 ans. C'est un fait. Il y avait trop de workload back in the. Comme depuis qu'il a commencé sa carrière jusqu'à maintenant, son workload était trop intense. Puis ça rattrape n'importe quel joueur, mon gars, quand t'as fucking 30 carries per game, c'est sûr que ça va te rattraper à un moment donné, là. Je m'en fous que tu sois 6 pieds 4, 230 livres, ça va te rattraper, ouais. Puis, ça, comme de fait. Mais il va pas, il never left, bro. Il va quand même te faire des games de 150 verges, là. Il va finir par faire 1000 verges encore cette année. Puis je pense que Derrick Henry est un des rares joueurs qui a une chance de battre le record de Adrian Peterson d'être le oldest player avec 1000 yard season. Good shout out. Gros take. Si on pouvait parier ça début de saison, je l'aurais fait. Je pense que la dernière fois que Peterson l'a fait, il avait 31 ans. Puis là, Derrick Henry est à 29. Ouais. OK. Nice game. Bills versus Dolphins. Bon. OK, là, Spenty, là, c'est bon. Le dernier épisode,
Moi, Kaza, puis Mizoga, on a tous pris Dolphins over Bills. Parce qu'après une performance en 10-20, on s'est dit que Dolphins avait la meilleure offensive. Which is still true. Statistiquement parlant, c'est les meilleurs. Ouais. Et là, ma question, c'est la victoire des Bills. Est-ce que c'est une confirmation que les Dolphins ont une meilleure... les Bills ont une meilleure offense que les Dolphins? Ou c'est que les Bills, leurs superstars, ont été très clutch? Ils ont juste comme big time games for big time players. Stephon Diggs is him. 3 TDs. Le TD sur sideline qui a break 2 tackles. Mais je reviens. Moi, je reviens sur ce que j'ai dit la semaine passée. Mm-hmm. Je t'ai pas dit que c'est l'offense qui a gagné des games. Moi, je t'ai dit que la défense des Bills, ça fait 2 games qui se sont réveillés. La défense des Bills fait des turnovers. Mm-hmm. La défense des Bills n'accorde quasiment aucune verge par game, bro. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, contre la meilleure offense de la ligue, qu'est-ce qu'ils ont fait? You're right. Shut down. C'est vrai. Shut down. Contain. Shut down, c'est 0 points, je pense. Money on my Bills. I cashed out. It's all good. Écoute, moi, là-dessus, moi, je pense juste que, en effet, les défensivement, les superstars défensifs et les superstars wide ont joué une excellente game. Je crois quand même que les Dolphins ont une meilleure offensive no matter what. Oui. Mais les Bills, moi, je pense que c'est l'expérience. C'est le fait que it was a big time game. Quand c'est un big time game, tu vas sur tes superstars et ils vont show up. Jalil? That's it. Moi, je pense que, honnêtement, ben, Spanty a fait un excellent bet parce que j'aurais pris ce bet-là anytime of the day. Je ne suis pas passé le faire. Really? Miami était down pour un letdown. Tu scores 70 points, là. C'est dur de te lever le dimanche d'après puis être motivé à jouer au football puis dire, oh yeah, on va éclater les Bills. Tu sais, les letdowns, ça arrive souvent après les big games. Quand même une division game, c'est important. Moi, je pense que c'était dû pour un letdown après cette game-là. Tu penses? Puis, oh ouais, après tu scores 70 points. Oh oui, je m'attendais contre les Bills après, contre une très bonne équipe. Je pense qu'ils auraient affronté une équipe de merde, puis ils auraient quand même peut-être perdu ou struggle à gagner. Parce que justement, c'est dur de. Tu sais, quand tes émotions sont tellement hautes d'une victoire, on voit ça aussi souvent dans les playoffs où ils gagnent une overtime game ou une tight overtime game. La dernière fois que Stephon Diggs a fait un fou catch, ils sont fait lasciver par les Eagles après parce qu'ils étaient trop hyped, you know? Donc. Moi, je pense que c'est ça. Les letdowns arrivent. Je pense quand même que les Miami Dolphins sont une meilleure équipe de football que les Bills. Je pense qu'ils ont clairement une meilleure attaque. La première raison, je vais dire qu'ils ont une meilleure attaque, c'est que les Bills, puis c'est ça qui vont être leur détriment, puis qui ont été leur détriment les 4 dernières années, they can't run the football. We can this year. On peut courir cette année. Non. James Cook peut courir cette année, s'il vous plaît, you guys. Josh Allen est une grosse partie de la rushing attack. Josh Allen a trop de load à prendre. C'est ça. Puis même quand il n'y a pas trop de load à prendre, il y a un super-héros complexe. Thank you. Puis je sais pas si c'est parce que il sait qu'il est comparé à Patrick Mahomes tout le temps, fait qu'il faut qu'il en mette plus. Mais ce super-héros complexe, je l'ai vu in the big games that matters. Il va trouver le moyen de faire un mistake parce qu'il essaie d'en faire trop. Je suis d'accord avec toi, Nicky serait d'accord avec toi aussi parce que Josh Allen, playoff time, c'est Kirk Cousins 2.0. Yes! Wow. Ouais, puis pour les Dolphins, je pense que Tua est l'opposé. Tua est genre le gars qui va faire le safe throw over le risky throw. Et non seulement ça, il n'y a vraiment pas besoin de faire le risky throw avec les weapons kill, on s'entend là? Non, exactement. Dump it off to Tyreek, dump it off to Waddle and let them do their thing, man. That's it. Toi, juste un ring, that's it, that's all. Yeah, exactement. Puis, mais les Bills, great defense. Puis c'est ça qui va les permettre d'aller plus loin. Mais you gotta run the football parce qu'il faut que ton time management aide ta defense. Mm. À chaque fois qu'ils ont perdu les playoffs, la defense était épuisée parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir du time management. There you go. Parce qu'ils ne pouvaient pas run the ball. Exactement. Merci, tu vois. J'ai tout le temps dit que les Bills n'avaient pas de run game. Là, ton boy Cook, 12 carry, 29 verges. Arrête-moi ça. On dirait Derrick Henry semaine 1. Arrête, là. Puis on s'entend que si les Bills veulent gagner un Super Bowl, faut que tu passes par Kansas City. Ouais. Si tu passes par Kansas City, là, puis que t'as un lead, puis tu peux pas gagner le rush de football, they're gonna come back. They are gonna come back. Ta seule chance quand t'as un lead, c'est d'avoir des possessions de 8 minutes, 9 minutes. Là. Ah, 100%, je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Faut que t'aies un run game. Playoff time, faut que t'aies un run game. Puis ce qui m'inquiète pour Josh Allen, c'est honnêtement, depuis que Josh Dable est parti,
je vois juste des step down de Josh Allen. Quand Josh Dable était là aussi, des Bills, son game n'arrêtait pas de step up et elevate à chaque année. Puis là, on dirait qu'il stagnate depuis que Josh Dable est parti. Puis là, tu vois l'opposé avec Daniel Jones, que lui, à chaque année, on dirait qu'il progresse encore un peu. Dis pas ça. Et, le coaching, c'est big pour un jeune QB. Dis pas ça. Daniel Jones est en train d'augmenter chaque année. Il progresse. Est-ce qu'il devient un meilleur joueur qu'il était l'année d'avant? Oui. Il sera jamais un élite QB, mais tu peux juste demander une progression. Josh Allen a arrêté de progresser depuis que Josh Dable est parti. Daniel Jones est un meilleur joueur aujourd'hui qu'il était avant que Josh Dable arrive au Giants. 100%. Donc, puis l'affaire avec les Bills, mon problème, c'est que leur head coach est un head coach défensif, puis je pense qu'ils sont dus pour faire un changement pour un head coach offensif. T'as besoin d'un Shanahan, t'as besoin d'un Kevin O'Connell, d'un Sean McVay, t'as besoin de quelqu'un pour ignite cette attaque. Oui. Parce que l'attaque est très simple, puis elle fait juste profiter de l'athlétisme de Josh Allen. C'est vrai. OK. Good point. Good takes. Moi, c'est mon prochain good point, que la prochaine question que j'ai hâte de te parler. Bon, Eagles versus Commanders. Bird game. Ça, c'est ton time to shine. Bird game. Ah, t'as gagné, mais t'as struggle, hein? Est-ce que les... Yo, 34-31, on veut t'inconvertir. Excellent game de football, pour ceux qui l'ont regardé. Excellent game. Oui et non. Excellent game de football on paper. Oui. Mais pour mes Eagles, pour des anciens... pour un fan des Eagles, c'est différent. Pour un fan des Eagles et des anciens Super Bowl contenders, encore une fois, ça va être ma question. Est-ce que les Eagles vont pouvoir avoir le chemistry qu'ils avaient l'année passée, ou voici la version finale des Eagles? Personnellement, là, on est rendu à semaine 4. Oui, ils sont 4-0. So, oui, on paper, they look like what they were before. Ils sont en train de prouver aux gens que l'histoire de schedule n'a aucun rapport sur leur talent. Et moi, je dis que non. Je suis un Eagles fan, puis ce que je vois, je ne suis pas du tout content. Est-ce qu'ils vont avoir leur chemistry? Oui. Moi, je pense qu'ils ont encore un peu de misère à connecter. Moi, je pense que des histoires que A.J. Brown se plaint et puis qu'il reçoit 10 targets d'affilée parce qu'il s'est plaint comme une diva, il va nous shoot dans le pied. Devante Smith se plaint durant une victoire. Donc, des histoires comme ça font en sorte que Hurts, qui a l'air d'être un très bon gars, mais va essayer vraiment de feed comme il a fait. Il a feed A.J. Brown. Feed. Mais il y a eu des lancers que A.J. Brown était en triple coverage, un corner route, triple coverage. Il a quand même lancé, puis je sais que c'était pas son option. Il a juste forcé parce que c'est son boy, parce qu'il fait la diva. Et là, ça va nous ramener à du McNabb, Terrell Owens. Puis c'était ce qui s'est passé. Owens voulait tous les ballons, McNabb forçait, il y a eu plein de pics, et ça a été une chute descendante au milieu de la saison. Donc, il faut absolument que Hurts et le coaching staff ont une conversation avec Brown, pas Hurts, Brown, et lui dire: mon gars, on est là pour gagner des games de football, on n'est pas là pour mettre Hall of Famer. Et ça continue comme ça. Tu vas devenir Hall of Famer en jouant. Ça continue comme ça. On va perdre des games. Et la défense, ils sont boostés, mais ne peut pas continuer comme ça. Donc, ce n'est pas la version finale, j'espère. Je n'aurais pas pu l'expliquer mieux que ça. Laurent, tu as tout dit, qu'est-ce que j'allais dire. Tu as remarqué qu'est-ce que j'ai remarqué. Moi, ce qui se passe pour les receveurs de passe, moi, ça. J'aime pas ça quand tout le monde traite quelqu'un de diva quand il pète une coche, n'importe quoi, mais je suis d'accord là-dessus parce que pour moi, c'est quand tu pètes ta coche. Quand je vois un receveur, mettons Stéphane Diggs, quand il a pété sa coche avec les Bills, il était durant une défaite, ça allait pas bien, l'offensive roulait pas. Puis c'est comme genre, là, je vois juste un athlète qui essaye de faire quelque chose, puis comme give me the ball, cause I need to do something, parce qu'il faut qu'on gagne. Mais quand tu pètes une coche durant une victoire, tu mènes par 10 points, puis t'es là, I need the ball. Non, it's about the team. On s'en fout, là. Tu sais, c'est durant le moment. Est-ce que ça m'inquiète tant que ça? Non. Parce que ce qui m'inquiète des Eagles, c'est que je pense qu'ils sont juste pas aussi bons sur papier. Ouais. Leur défensive est écœurante, mais le pass rush cache beaucoup de défaillances dans la tertiaire, dans les DB. Je trouve que les DB sont très weak, sont très haveable. Oh. Dude, vous parlez caca sur que Cousins, il a lancé pour 450 verges sur cette défense. I mean, he got a point.
He got a point. Encore une fois, on enlève les turnovers et Viking gagne cette football game-là. C'est ce qui a sauvé cette défense, encore une fois, c'est ce patch-là. Ce patch-là, t'es absolument élite. Ça, j'enlèverai pas. Mais quand tu vas affronter une équipe comme les Niners qui vont être capables de limiter ce pass rush-là, je pense que si le, tu trouves une façon de limiter le pass rush, les DB can't hold. Those defensive backs can't hold. Puis, un autre aspect aussi qui est underrated, vous avez perdu votre OC. Yep. Donc, ouais. Je pense que la chimie n'est pas nécessairement partie, la chimie entre les joueurs. Mais je pense que c'est juste un OC avec une différente façon de voir le jeu, puis ça apparaît sur le terrain, puis ça ne fait pas autant cette offensive. Puis c'est ça qui est, ça c'est tout le temps l'aspect qui soque un peu quand tu es une excellente équipe qui va au Super Bowl souvent puis qui est une des meilleures équipes, tu perds tes aussi puis t'es DC over and over again. Puis honnêtement l'offensive va pas l'air la même. Comme je parle même pas juste du fait de leurs statistiques. Toi qui es un fan des Laurent qui est un fan qui regarde depuis des années, mm-hmm. offensivement leur playbook a l'air complètement différent aussi. Complètement différent. Vraiment moins électrisant, vraiment moins deep down the field. Moins d'options. Yep. Moins play action. Ça c'est quelque chose qui m'inquiète. Est-ce que ce coach va être capable de piler, tu sais comme moi les coachs des fois c'est ça leur plus grosse difficulté. Est-ce qu'il va être capable de piler son ego puis réaliser que hey, mon attaque fonctionne pas aussi bien que celle qu'ils avaient. Est-ce que je peux essayer de faire mon attaque plus changer la façon qu'ils avaient avant, tu sais? Raison. Mais il va falloir qu'il pisse sur son ego. Est-ce qu'il va être capable de le faire? J'en doute parce que les coachs de l'NFL ont un plus gros ego que n'importe qui d'autre. Donc. Mm-hmm. Yo, gros take, Jalil, pour vrai. Je suis super content de ce que tu as dit de ma défensive parce que je trouve mes corners, mes DBs sont all elite. Tes DBs sont elite parce que tu as une belle D-line. T'as un beau front seven qui les défend. On a investi beaucoup dans la D-line. D'accord avec toi. On a draft que des D-line. Yo, votre bench, vos statistiques contre ta passe sont très bonnes. À cause de regarde les games et regarde le nombre de covers qui sont busted ou de joueurs qui sont open. Puis le QB a juste pas eu le temps de faire la passe. Puis tu vas voir que si vous affrontez les Niners, apparemment les Niners vont pas juste, ils vont passer all over you. Ils vont même pas essayer de vous run all over. Puis c'est une rushing attack, c'est ça le pire. Rock. Hoodie. Ah, monsieur Levin. Écoutez, guys, regarde. Moi, là. Mais en même temps, gars, j'enlève pas aux Eagles. Ça reste une top 3 équipe dans l'NFC, probablement. Puis ça reste un contender. Tu veux c'est toutes des choses que tu peux fixer during the season. La question, est-ce qu'ils vont le faire? C'est Jalil, juste ça, la question. Il y a 3 teams dans l'NFC, Jalil. Faut pas t'oublier. Ben, c'est ça. Tu vas avoir Niners, tu vas avoir Eagles. Puis. Donc, son hype, c'est Cowboys. Mais Cowboys, ils vont toujours des playoffs. Trash, là. C'est trop cool, les Cowboys. Mais écoute, moi, je vais juste finir là-dessus en disant que M. Relevant, là, fait des cauchemars de nous encore. Comment? Parce que quand il nous a vu, on l'a commissionné pour l'envoyer chez lui. Tu vois ce que je veux dire? So, Brock Purdy ou pas, il nous faut un bon pass rush pour l'envoyer sur le banc. Une fois qu'on l'envoie sur le banc, game over. Bref, je vais finir là-dessus, toi. Ouais, mais tu sais comment aussi, dans un monde où les QB sont surprotégés, ça arrivera pas chaque game. Ça, c'est vrai. Ouais. T'as été chanceux. Là, mais Jalen Carter, Jesus Christ, man, what a monster. Ah, il est sale. Ah, ouais. Cet homme-là, il est pas humain, là. La défense, les 4 qui sont en avant, mon gars, pour les Eagles, les 4 sont dégueulasses. On a investi. Ah, dude, c'est. Tu voudrais pas les faire chier dans un bar, je peux te dire ça, man. Oh, moi, je t'attends pesé. Gagant. C'est sûr. Oh. Ok, là on va aller à la session la plus nice, selon moi, prédiction. Prédiction, j'ai pris 4 games. Ok. La première game, j'ai pris Ravens versus Steelers. La grande rivalité de tous les temps, de notre génération, surtout pour nous. Mm-hmm. Je regarde la performance des Steelers, je regarde la performance des Ravens. Les deux ont des défauts. Steelers, l'équipe au complet n'est pas très très bonne, mais ils ont un très bon coaching staff. Kenny Pickett is on the come up, mais il vient de se faire foutre dehors cette game-là, il est blessé. No Kenny Pickett, t'as un second street quarterback avec des Ravens qui commencent à comprendre leur chemistry, avec Andrews qui fait des tasses café dans un corner route dans un TD. Donc, moi je pense que Zay Flowers qui commence à commencer encore plus en tant que rookie en plus. Lamar qui prend des meilleures décisions offensives. Ravens all the way. Merci. Ben d'accord avec toi. Moi, j'allais prendre les Ravens over les Steelers any day of the week. Jalil? Je vais prendre les Ravens. C'est le easy pick. Mais en même temps, faut pas sous-estimer le Steelers-Ravens rivalry. Ça va être une tight game. Ça va pas... les Steelers vont être dedans. C'est Mike Tomlin. Mais c'est ça. À la fin, je prends les Ravens. Mais si jamais on parle à des parieurs, je dirais que c'est pas une garantie pour les parieurs. Autant que ça a l'air.
Les débuts d'une game sont tant tighter de qu'est-ce qu'on pense. Ouais. D'accord avec toi. Moi, je prends le under dans cette game-là, par exemple. Under all the way. Ah, oh, facilement, facilement. Gaza, vas-y. Est-ce que le match est à Baltimore ou à Pittsburgh? Ouf, la game est où? C'est une bonne question. Je vais checker. Tu vas checker? Yeah. Parce que j'ai pas regardé la game était où. Je trouve ça ta styleuse, là. Si ça veut loader. Okay. J'allais un peu checker. Anyways. Anyway. Ouais, ça change d'affaire. Je vais aller avec Ravens, anyway. Particulièrement aussi s'ils jouent sur leur propre terrain. La game est à Pittsburgh. Ouais. Pittsburgh. Still Ravens. Je prends les Ravens, les Ravens, mais c'est à Pittsburgh. Si Pickett joue pas, je prends les Ravens all day. Next game, c'est une belle game. Cowboys versus 49ers. Jalil, m'en promets. Juste rajouter un petit détail pour si quelqu'un a oublié. Le backup quarterback des Steelers est Mitch Trubisky. Ravens. Money line. Par 7, les Ravens, c'est Mitch Trubisky. Je voulais juste rajouter ce petit détail important. c'était quoi la prochaine game, excuse-moi? Cowboys versus 49ers. Ah, 49ers, sans aucune hésitation. Je m'en fous, la game est où? J'ai 49ers. Spenty, 49ers! My guy, bro, Brock Purdy! Moi, je suis against Mr. Relevant. Non, I'm against him. Mr. Relevant. Non, il fallait à Cowboys. Les Cowboys, je les aime pas. Je comprends que le title de Mr. Relevant est à Brock Purdy parce qu'il était le last pick of the draft. Ouais. Mais on s'entend que real Mr. Relevant, c'est Dak Prescott. Thank you very much. Hey. Nobody's more irrelevant than this guy. Hey, I can't deny this. I can't deny this. No lie has been said. No lie has been said. But I don't like 49ers. Mon 8 over 49ers est plus grand que tout. Donc, je peux pas aller... ouais, je vais aller avec les Cowboys. Même chose. Kazab, same thing. Non, pas okay. Les Cowboys. Non, les Niners. Oh, il comprend les Tanks. All right. Next game, Saints versus Patriots. Mm. Jalil? Je vais prendre les Patriots pour cette game-là. Les Saints, Derek Carr n'a pas eu l'air très bien aujourd'hui, il est blessé. Patriots ont du meilleur coaching overall. C'est pas deux équipes incroyables, mais je vais prendre mon bet sur le meilleur coaching des deux, puis Patriots. Je vais prendre mon bet sur la meilleure défensive des deux, les Pats. Je vais prendre mon bet sur la, comme j'allais le dire, meilleur coaching, meilleur running game, dans les Pats, contre les Saints. Derek Carr aurait dû rest cette semaine, je sais pas pourquoi ils l'ont fait jouer cette semaine. On a oublié que les Saints donnent toujours une raclée. On dirait que t'as oublié que c'est Derek Carr leur QB. Au Patriots, non mais... C'est Derek Carr, bro! Derek Carr, quand il est là, il peut mener l'équipe à au moins 21 points. Avec Chris Olave, Thomas, Camara qui est back. La défense est toujours présente. Il est amené à combien de points aujourd'hui, par curiosité, mon cher Laurent? Contre les Bucks, oublie pas. J'ai pas regardé. T'as pas regardé, hein? Tu veux pas savoir. 9. 3 field goals. Pathétique. Ok, guys, ok, je m'excuse, mais je crois que contre les Patriots, les Saints sont connus pour faire une vraiment low game usually. On dit toujours que c'était contre Brady. Moi, je dis non, c'est pas seulement Brady, c'est contre les Patriots aussi. With or without Brady, les Saints font toujours des low games. C'est une low game, et je dis que ça va être les Saints qui vont mener la game. That's it. Ça va être une belle game, c'est pas fou, mais. Gaza? J'ai une personal vendetta contre les Saints. Je les déteste depuis tellement longtemps. Oui, ok. Ouais. J'étais un gros fan de Brett Favre quand il était avec les Vikings. Donc, je vais aller avec les Patriots. Ok, Patriots for him. Last game, je l'ai mis pour notre Jalil. Pour Jalil. Vikings versus Chiefs. Moi, guys, je vais aller en premier. C'est seulement les Vikings. Trash. Je suis désolé, les gars sont même pas capables de gagner des games faciles. Ils ont des difficultés à gagner des games faciles. On voit qu'ils ont de la difficulté. T'as expliqué au début pourquoi. Tout dit au début pourquoi, Jalil. Donc, tu sais quoi? Chief. Jalil, ton point de vue, Jalil. Ton point de vue. Sincèrement, s'il faut demander une prédiction, ça va être les Chiefs. Les Chiefs sont la meilleure équipe de la NFL. Il n'y a pas de doute dans ma tête là-dessus.
Je vais dire, par exemple, que je pense que les Vikings sont en train de rebound, puis qui c'est un must-win. C'est comme ça, cette game est le must-win, c'est la game qu'il faut qu'ils steal. C'est la game qu'ils sont pas supposés gagner, puis qu'ils doivent gagner pour avoir un playoff push. Donc, je serais pas surpris que, hey, maybe encore un one-score game, puis tout, mais à la fin, avec la façon qu'ils ont joué dans les one-score games cette année, ouais, je peux pas les prendre, donc Chiefs. Mathieu? Yo, moi, Chiefs all the way, bro. De Kirk Cousins, il a bien beau faire 400 verges par la passe, il va lancer des mangos, il va lancer des pics. Ça va pas être beau. And, petit détail, take the over for this game. Oh, absolument. 100%. Take the over. Gaza? Même chose, mon gars. Chiefs? Patrick Mahomes. Patrick Mahomes. All right. C'était tout pour la NFL aujourd'hui. Je vais donner un petit shout-out. Un petit shout-out à Khalil Mack. Oh. 6 sacs aujourd'hui. Oh! Quoi, les Raiders, je me sens? Yeah. 6 sacs, puis... Mon ancien team. CJ Stroud. Oh, yeah. Yeah. Still balling avec Houston. Trash team. Yeah. Trash. Mais QB is... Il y a un futur. Il y a un futur. C'est les deux shout-outs que je voulais donner. Parfait. Jalil, avais-tu des choses à rajouter sur la NFL ou non? Ah, si on est dans les shout-outs, je vais shout-out mon boy Harrison Smith. Le white boy safety des Vikings. 22. Il a fini avec 3 sacs, 1 force fumble. La seule raison qu'ils ont gagné la game aujourd'hui. 22. The man is old, but he still got it. Yeah. He's nice. OK, là, on va aller à la NBA. Wow. La NBA cette semaine, il y a eu un trade que personne s'y attendait. Ben, on attendait tout qu'il se fasse trade. Oui, mais à cette équipe-là, personne s'y attendait. Donc, pour ceux qui écoutent pas le basket ou pour ceux qui écoutent le basket mais qui ont dormi sous une roche cette semaine, Damian Lillard, Dame Time, a été échangé aux Bucks, mesdames et messieurs. J'ai plein de questions là-dessus, mais je vais faire un quick résumé de ce qui s'est passé avec l'échange. L'échange de Dame Lillard aux Bucks a fait en sorte que Jrue Holiday, Grayson Allen, Kian Johnson et Drew... My God, non, wow, on va recommencer. Wow, il y a tellement de choses qui s'est passé. Il y a eu beaucoup d'échanges. Il y a eu trois équipes involved. C'est un three-way trade. Il y a eu Trailblazers involved, Suns, Boston. Mm-hmm. Right. Et Celtics. Mm-hmm. Il y a eu quatre équipes, il y a eu Celtics. Oh. Ça, c'est après. Excuse-moi. Boston, il y a tellement de choses qui s'est passé. OK. Holiday, maintenant, est rendu... aux Celtics. Robert Williams et Michael Brandon sont rendus aux Trailblazers. Puis je vais me répéter après, guys. Cameron Payne est rendu aux Bucks. Yusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little, Kian Johnson sont rendus aux Suns. Ne faites pas, durant les questions, je vais me répéter. Mais c'est pour que vous ayez une idée de tout ce qui s'est passé. Beaucoup de trades. Puis beaucoup de first round picks aussi qui ont. Mais ça, c'est pas important parce que y a beaucoup de first round picks qui sont des boss. Il y a beaucoup de first round picks qui sont pas des boss. Facts. Mais bon. Là, la première question, c'est Damian Lillard aux Bucks. Dub ou boss? Je vais commencer avec notre boy Spenty parce que Spenty est un gros fan des Blazers. Non, j'étais un fan de Damian Lillard. Oh, excusez-moi. Comme ça, j'étais un fan de LeBron. Moi, je suis un fan de Damian Lillard. Moi, je vais aller m'acheter un chandail des Bucks. Dès que je peux m'acheter un chandail des Bucks, je vais aller m'acheter un chandail des Bucks. Yo, big dub. Pour de rien? Big dub. No lie. Meilleur que le trade Kevin Durant. Oh. 100%. Damian Lillard est un des meilleurs joueurs qui a jamais comme fait quelque chose de relevant dans les playoffs parce qu'il n'y avait pas une team pour être relevant dans les playoffs. Plus, The Greek Freak, come on, man. Le gars carry sa team à un championship à lui tout seul. Drew Holiday, bye. Middleton, bye. Je m'en fous. Damian Lillard est là. So much emotion. My guy. Ils vont gagner nos chips. Mark my words, ils gagnent les chips. Live. Oh, shit. 100%. Hot takes. 100%. Hot takes. Jalil, boss ou dub?
C'est obviously un dub. Oh, God. Mais il a l'air à dire qu'il gagne le chip 100% comme son père a une meilleure équipe. Oh! Mais. Ils sont 100% la meilleure équipe avec Damien Lillard. Ils sont 100% la meilleure équipe avec Damien Lillard. 100% d'accord avec toi. De c'est déjà comme 100% qu'il gagne le championship. Je pense qu'il y a juste trop de compétition. Puis. Je sais pas, ils ont donné beaucoup de dettes aussi. Puis on sait que dans l'NBA, avoir un 1-2 punch sans dette. Mais c'est un dub. C'est un dub. C'est une meilleure équipe. Damien Lillard est. Relativement un top 3 shooter dans NBA. Leur starting lineup. C'est juste qu'il y a aussi la première année va probablement être difficile parce que je pense que c'est deux joueurs qui sont très ball dominant. Puis ça va prendre un certain temps d'adaptation pour s'adapter entre eux. Parce que Damien Lillard, c'est pas un shooter comme Klay Thompson. C'est merci. Vraiment un gars qui est ball dominant. Merci, Jérémy. Fait qu'on verra comment ils vont s'ajuster avec ça, mais il y a tellement de talent là que c'est dur à dire que ce sera pas un double. Let him cook. Il a raison. Let him cook. Kaza. Tu as quelque chose à dire. 100%, il y a quelque chose à dire. C'est clairement un dub. Écoute, je pense que Damien Lillard, maintenant qu'il est rendu dans le Eastern Conference, ça fait deux les favoris pour gagner dans le East. On verra pour les NBA Finals. Qui est dans l'Ouest? Denver. Phoenix. Phoenix. Ouais, les Suns ont fait des gros. On va parler des Suns aussi. Ils ont fait des grosses acquisitions. Ouais. Le Western Conference est une conférence beaucoup plus difficile que le Eastern. Une des personnes qui a appris ça, c'est LeBron James, s'est fait discipliner dès qu'il allait à Los Angeles Lakers. Calme-toi, être discipliné. Attends, il n'a pas gagné un chip dans l'Ouest? Il n'avait pas manqué les playoffs la première saison où il allait? Oui, je comprends, mais c'est pas de sa faute, ça. Attends, il n'a pas gagné un chip dans l'Ouest? Il a gagné un chip dans l'Ouest. Oh, regarde, 10! Oh, on va avoir un chip in the West. Bravo, chip doesn't count. Jalil, un Mickey Mouse ring est irrelevant. Mickey Mouse ring. T'avais pas... Si Butler avait gagné, t'aurais dit Mickey Mouse, espèce de hater? Absolument. Pourquoi tu mens? Oh my God. Don't lie to yourself. Tous les gens qui hate sur le bubble ring seraient des gens qui n'auraient jamais hate sur le bubble ring, ça serait leur team qui l'aurait gagné. C'est de l'hypocrisie. You want a chip. À la fin, là, toutes les équipes, c'est des équipes professionnelles qui ont show up in the bubble, qui étaient payées pour jouer, puis ils ont show up avec leurs best players on the thing. Puis même là, c'était probablement plus relativement, encore plus dur à jouer, parce que les équipes qui avaient home court advantage, comme les Lakers, n'avaient pas home court advantage. Let him cook! Je suis un hypocrite. Je veux pas vous laisser de suspect tous les championships qui sont passés durant le COVID. Là, voyons, parce que sinon, on va dire ça pour tous les sports. Là. 100% ça, je suis d'accord avec toi. Bon, qu'est-ce que tu as plus que tu avais à dire maintenant? Oh, je finis ce que j'avais à dire. Moi, tout ce que j'avais à dire, c'est maintenant ils sont les meilleurs contenders dans le Eastern Conference. Maintenant qu'ils ont un 1-2 punch. Ils sont meilleurs que les Celtics, 100%. Effectivement, ils ont Giannis avec Lillard maintenant. Ok. Écoute, attends. Je vais mettre ça dans ton point de vue. Tu parlais d'un Big 3 avec Giannis, Middleton, puis Jrue Holiday. Mm-hmm. T'as enlevé Jrue Holiday, puis tu l'as changé pour Damien Lillard. Tu me dis que c'est pas un meilleur Big 3? Hey, j'ai pas dit ma question. J'ai pas dit okay, It's a dub. Le championship, yeah. Par contre, talk is way too early. Il était contender avant ça. Il faut un temps d'adaptation. Lillard ou pas, il faut un temps d'adaptation. T'as deux gars ball dominant. T'as un gars qui peut garder la balle jusqu'au quatrième shot clock. Tu me crois. T'as Giannis qui donne le ballon. Là, tu me dis, est-ce que Lillard va changer son gameplay? Est-ce que Lillard est versatile comme ça? Lillard t'a tout montré. Tu sais déjà qu'est-ce que Lillard peut faire. Il n'y a jamais eu un Giannis avec lui. Mais justement, il y a une adaptation. Ils vont faire les playoffs. Ils vont peut-être se rendre même au final round de leur division, de leur conference. Est-ce qu'ils vont gagner un ring la première année? Absolument pas. Il y a un temps d'adaptation, messieurs. OK? Si le first time Big 3 de Miami Heat can... On peut perdre contre les Dallas Mavericks Year 1 en finale. Dallas Mavericks. Il y a un temps d'adaptation. Don't disrespect my boy Dirk. Oh, come on, JJ man. Barrett. Non, je ne disrespecte pas, mais justement, la raison pourquoi les Mavericks ont battu les Heat cette année, c'est à cause de leur chemistry. Ce qu'ils ont built durant des années d'expérience à s'adapter bien connaître leur game of the other guy. C'est la supériorité. Ah oui, comment? Supériorité. Je vais pas acheter mon chandail des Bucks. Mais si quand il est cheap, tu m'achètes un chandail des Bucks. Yo, no lie, vous êtes témoin. Just year one. Year one. T'es supérieur talent-wise,
Dallas Maverick était super talent-wise que les Heat. Lui bug. Ok, c'est bon. Je ne veux pas continuer là-dessus. On va marcher de questions tout de suite parce que sinon, on n'a pas de podcast, on va se crier. On va être en train de crier. On va pas se rendre là. Lui, il hate. So, est-ce que, la prochaine question, est-ce que Lillard, Giannis devient un duo plus dangereux que Joker et Murray? Oui. On peut pas dire ça maintenant. On peut pas dire ça maintenant. Hey! Attends. Ok. Mon point de vue. Mon point de vue. Giannis et Jokic, pour moi, sont partiellement au même niveau. Jokic est un petit peu meilleur que Giannis parce qu'il est plus versatile que Giannis. La meilleure shooter. Puis Murray puis Lillard, il n'y a aucune question qui est meilleure. C'est Lillard. So, si Jokic est un peu meilleur que Giannis, puis Lillard est vraiment meilleur que Murray, bro, ça s'équivaut. Puis moi, je dis que Giannis et Lillard sont déjà meilleurs que Jokic et Murray. Point final. Ok, garde. Avant que t'embarques, Jalil, parce que tu sais, t'as beaucoup de choses à dire. Alors, keep me for last, dog. Exactly. I'll keep you for last. Kaza, vas-y. Je suis complètement pas en accord avec Francisco. Merci. Parce qu'on n'a pas encore vu les gars sur le terrain pour une seule minute de NBA. Donc, on ne peut pas déjà établir que ce duo-là est meilleur que l'autre duo, qu'eux, ils sont champions ensemble. Champion. Reigning champion. Reigning champion. Giannis était champion tout seul. Big 3. Quand il a été champion, Murray était blessé. Donc. C'est vrai, il était blessé. Exactement. Jokic était tout seul. Il pouvait pas carry. Quand il y a eu son rabais. Giannis se carry tout seul. Holiday. J'ai fini avec ton fake ass Big 3 que tu m'as donné là. Let's move on. Ok, Laurent. Oui, donc. Non, absolument pas. On peut être réaliste. Absolument pas. Ton boy Lillard, solo, il est excellent. Ton boy Giannis, solo, excellent. Un duo, ça travaille en équipe. Ils ont toute une pré-saison pour s'adapter. Après, on va voir ça. Et puis, tu l'as vu ce qui s'est passé. Joker, lui, tout seul, a cook Giannis. Joker a cook Giannis. Et puis, Murray playoff time. Drummond playoff. Drummond playoff, t'as montré « Don't sleep on me ». Parce que je vais tenter les trois sous moi sur l'open, il veut drive. Le patiné en playoff, il shoot from downtown Toronto ici, là. Puis il rentre le bucket fucking à Denver, ça fait pas de sens, là. Mais je pense que vous avez oublié qui a créé ça. Je pense que vous avez oublié c'est qui a starté tout ce fame. Casa, talk to Frank. Hubert Arenas. Thank you. Talk to your boy. C'est pas David Lillard. David Lillard. Oh, bro, he's a good player. Mais on t'a dit, Murray, t'as fait shot de Toronto à Colorado. J'ai fini avec vous, bro. À Colorado. Check les career stats à Lillard. Check les career stats à Jamal Murray. Can I come in there? Get a ring. Je m'en fous du ring. Je m'en fous du ring. Lillard n'est pas. Il n'y a pas chase des rings depuis le début. Can I jump in? Go ahead. Okay. First of all, Frank, je vais peut-être sonner comme un Lillard hater. Je suis pas un Lillard hater. J'adore Damian Lillard et un de mes joueurs préférés de la NBA. Il est un dans mon top 3 de mes joueurs préférés de la NBA, OK? J'adore Damian Lillard. He's a bad dude, OK? Mm-hmm. Le monde réalise même pas à quel point Jokic et Murray sont un duo absolument élite. Parce qu'on parle d'un duo. Un duo, c'est pas individual stats. C'est, first of all, c'est ton efficiency. Ce que Jokic et Murray ont fait last year dans les playoffs, là, Frank, là, c'est historique. Quand je dis historique, c'est historique. First of all, OK? C'est le premier duo de l'histoire de la NBA à avoir average 25 points, plus de 25 points, plus de 5 rebounds et plus de 5 assists in an entire postseason, OK? Puis si tu veux leur statistique au complet de la last past season, ils ont average 51.7 points, 17 rebounds, 14.2 assists sur 50% de field goal efficiency. Ça là, c'est des meilleurs stats que Stockton Malone, Shaq and Kobe, Magic and Kareem, Duncan and Parker, Curry and Green. Il était prêt pour ça. C'est un des meilleurs duos, c'est pas juste le meilleur duo de la NBA, vraiment. C'est un des meilleurs duos de l'histoire de la NBA. Leur efficiency, leur chemistry est absolument through the roof. C'est deux joueurs qui se complètent, leur game complète each other parfaitement et devraient jamais se quitter. Puis, je suis d'être sérieux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis moi, qu'est-ce que moi je suis en train de te dire, c'est que Lillard et Giannis, statistiquement parlant, peuvent avoir la même ou mieux que qu'est-ce que Jokic et Murray ont.
Je te dis pas. Je te dis pas que ça va arriver game one de la NBA. Mais, playoff time, je doute très fort que ça va arriver. Parce que, un, Murray et Jokic ont été draft ensemble et ont été développés ensemble pendant des années pour avoir pour développer cette chemistry et de chimie. Et pas juste ça. Deux, Murray et Jokic, comme je te dis, c'est deux games qui se complètent. Lillard et Giannis ont pas un game qui se complète. La seule chose qui se complète, c'est Giannis can drive the basket, kick it out to Lillard, and Lillard est un elite three-point. Est-ce que Lillard va vouloir settle pour être un three-point shooter all year long? J'en doute très fort. Il est un ball-dominant player comme Giannis. Puis Giannis aime pas attaquer le basket sans la balle. Il attaque tout le temps avec la balle dans ses mains. Fait que aussi, tu peux pas compter pour Lillard pour drive and then ask for Giannis. Si tu regardes le screen game de Murray and Jokic, c'est out of this world. C'est uncoverable, leur screen game. Est-ce que Giannis fait pas de pick, man. Tu vois jamais Giannis faire des picks. Ouais. J'allais. Vas-y, on t'écoute. Vas-y. Je pense que vous avez oublié c'est qui Damien Lillard. Dans tout ça, je pense que vous avez oublié c'est qui. C'est pas juste un two-point shooter, là, Damien Lillard. C'est pas ça. C'est pas ça qu'on dit. On dit qu'avec Giannis. Est-ce que t'as oublié c'est qui Shaq et Kobe? J'ai pas oublié. Parce que Jokic et Murray ont des meilleurs stats que Shaq et Kobe en playoff. Shaq et Kobe, dog. J'ai pas oublié. Et puis, je suis en train de te dire que t'as dit Lillard. Avec un Giannis, il y a un devoir faire un sacrifice. Les deux ne peuvent pas avoir le ballon autant, ne pas demander le ballon autant. C'est clairement Dame qui va faire le sacrifice. Exactement. Donc, ça veut dire que Dame va prendre des chutes de 3 points. Est-ce que tu penses que... Regarde Harden et puis Embiid. Regarde ça. Avant qu'Harden arrive, Embiid demandait le ballon, on lui donnait le ballon. Il n'y avait pas de question d'hésiter. On donnait le ballon à Embiid. On revient à ta question, moi. Moi, ta question, c'est est-ce qu'ils peuvent devenir le meilleur duo de la NBA? Non. Oui. OK, c'est bon. C'est alright. Devenir. Ils ne deviendront pas le meilleur duo de la NBA. C'est pas... Ils vont être deux bons joueurs. Un chip dans 2-3 ans, parfait. Le meilleur duo? Non. I'm saying yes. Kaza, t'avais dit oui ou non? First of all, je tiens à remind tout le monde que Giannis is on a contract year. Wants his money. Fait que cette idée aussi qu'ils vont build ça sur des années, on verra. Hmm. Comment ça se passe cette année, peut-être qu'il n'y aura pas la patience de développer ça sur des années, Giannis. Ils ont un contract year. Et Milwaukee, c'est pas la place la plus alléchante à rester quand tu veux faire du big money. Ouais, mais Damien Lillard, c'est pas Kyrie Irving. Il fait pas des vibes. Oh. Yep. Next question. Joel Holiday est allé au Celtics, comme j'avais dit auparavant, pour Robert Williams. Et Malcolm Brogdon. Sorry. Dub ou bust aux Celtics et pour aussi Blazers. Je veux dire bust pour Celtics et je veux dire dub pour Trailblazers. Puis je vais vous dire pourquoi. T'as pris Drew Holiday qui est pour moi, selon moi, un deuxième Marcus Smart, juste plus offensif. Et t'as retiré un de tes meilleurs paint defender de son équipe, Robert Williams, qui average au moins 2 blocs à 3 blocs par game. Et Malcolm Brogdon, qui était quand même un big size guy, aussi qui était un bon paint defender. Un defender. Tu as retiré 2 paint defenders pour les drives, pour un gars qui est comme Marcus Smart, qui est plus un defender périphérique, qui n'est pas big man in the paint. Therefore, pour moi, c'est un bust pour Celtics. Maintenant, puis on s'entend que les points Celtics, ils avaient déjà Tatum, ils ont déjà Brown, ils avaient déjà, tu sais, Smart qui faisait 9 à 12 points par game, c'est pas grave, ils avaient déjà assez, rajouter Holiday, c'était pas nécessaire. Donc, selon moi, comme je disais, Holiday est un bust et Malcolm Brandon est un dub pour Trailblazers. Spenty? I could care less. No lie. Après que Damien Lillard s'est fait trade, Drew Holiday pouvait aller n'importe où. I don't care, bro. C'est fini. Dub pour les deux. Boss pour les deux. Je m'en fous. J'ai une question pour Spanty. Vas-y. Est-ce que tu avais le même feeling ou tu disais la même affaire quand c'était le big shit about the Brooklyn Nets? Oh, bro. Le snake. Parle-moi pas du snake. Je m'en fous du snake aussi. Non, je suis juste curieux. C'est parce que
Parce que si tu lives on the hype, you die on the hype too, hein? J'ai jamais embarqué sur le train de Brooklyn Nets. Jamais, mon gars. OK. J'étais juste curieux. J'allais... Boss ou Dub? Ouais, non, c'est ça. Donc, pour les Boston, c'est ça. Je pense que c'est un Dub pour les deux équipes. Boston et Trailblazers. Trailblazers, on pourrait voir ça comme un loss, mais en réalité, c'est un Dub parce que c'est une équipe qui est dans un full rebuild puis qui va recommencer à zéro. Donc, qui accumule des draft picks, va bâtir une équipe pas très bonne puis essaie de perdre des games. Donc, c'est pour ça que c'est un Dub à long terme pour eux. Je suis un gros fan de Jrue Holiday. Donc, je pense que c'est un Dub pour Boston. Je pense qu'il get un perimeter defender qui peut guard n'importe quel guard ou small forward. Ça va vraiment les aider à long terme. Surtout que tu vas permettre Jaylen Brown et Jason Tatum de prendre du rest en défense pour en mettre plus à l'attaque. Ton argument de big man qui vont perdre les big men puis ils vont perdre du rim protection, je suis 100% d'accord puis c'est un bon argument. Mais en même temps, on est dans l'era du small ball. Ouais. On le voit, il n'y a plus d'équipe avec des big men qui gagnent. C'est toutes des équipes avec des small men. Je pense, j'ai jamais believe aux 76ers puis je vais jamais believe en eux qui peuvent gagner Joel Embiid. Ouais. Jokic est l'exception à la règle parce que mais Jokic a joué small ball. Il est élite à jouer small ball avec son rôle de big man. C'est ça la différence. Ouais. Et aussi, je pense qu'ils sont pas si mauvais que ça parce qu'ils ont encore Horford qui défensivement peut bien jouer. Puis Kristaps Porzingis, man, je sais qu'il a perdu complètement sa confiance offensivement. Mais c'est un elite rim protector. Fait que si tu veux l'embarquer juste parce que t'as besoin de rim protection et rien d'autre, il va faire la job. Non. Puis honnêtement, Qui t'inquiète? Qui t'inquiète pour Giannis pour attaquer le Rim in the East? À part Giannis. Miami? Merci. Ouais, mais ils sont tous small. T'as pas besoin d'un big man pour stop Miami, là? Bam. Bam est pas si small que ça. C'est pas le plus gros, mais c'est pas le... Il est pas small. Mais c'est ça, je veux dire. On est dans un era small forward. Là, je regarde le roster de Boston. Là, c'est rendu qu'Al Horford, il est rank comme un center. On est dans un era de small forward, donc... Je suis pas trop inquiet pour ça. Et aussi, hot take? Ouais, vas-y. Boston Celtics vont battre les Milwaukee Bucks in the playoffs. OK, Kaza a beaucoup à dire. Kaza a beaucoup... Il se retenait, Kaza, the floor is yours. OK, personnellement, je pense que c'est un boss pour les deux teams. Je vais commencer avec les Trailblazers. DeAndre Ayton est un sac d'incompétence. On n'est pas en train de dire j'ai été encore. Bon. On n'est pas en train de dire avec les Trailblazers. On n'est pas en train de... Un gars qui est inept. Il y a toutes les étapes. On passe. On comprend. Donc, les Trailblazers, c'est un boss. J'ai fini avec eux. En plus, tu rajoutes une entrée Ayton, mais tu débarrasses de Dame Lillard. Écoute, à part Scoop Anderson, je sais pas, on verra là, mais j'ai pas vraiment confiance en eux. Pour les Celtics, je trouve que ils ont overpayé Jaylen Brown. Déjà là, c'est un move que j'ai trouvé qui était créé. Ils ont perdu leur coach. Ils changent beaucoup de personnel. Ils ont retiré Marcus Smart. OK, Jrue Holiday, un gros defender qui est offensivement meilleur. C'est bon, mais je sais pas. Je trouve que le core est en train de se désintégrer. Et je sais pas si, avec les nouveaux joueurs, la chemistry de l'équipe va être la même que dans les saisons précédentes. Ça, c'est mon opinion sur... On va pas répéter tout ça. Non, mais regarde. OK, Kaza. Bon, t'as amené des bons points. Vu que t'as amené le nom d'Andre Ayton, je vais te sauter à la question. Je vais sauter la question de Campaign au box. Campaign, c'est un backup. Donc, c'est plus un dub que d'autres choses pour les box, pour un six-man. Right? On va tout dire la vérité. Ils ont déjà un Six Man of the Year. Yeah. D'accord. Ils n'ont pas besoin d'un autre Six Man of the Year. C'est quand même un double de plus. Avoir sur le terrain. Je suis d'accord. C'est un Seven Man, comme Kaza a dit. Mais DeAndre Ayton aux Blazers, moi, je pense aussi, comme Kaza a dit, que c'est un effet négatif. C'est une merde. Et s'il ne change pas son game style complètement, je parle plus agressif, il va aller nulle part dans la NBA et ça va être ses dernières années de la NBA avant qu'il retire. C'est moi, donc c'est un big time boss. Avant que le game le retire. Absolument. Jalil, DeAndre Ayton aux Blazers, positif ou négatif? Ça n'est pas encore une fois pour l'équipe positive parce que comme je te dis, c'est d'avoir la pire équipe possible sur le papier et de going for first overall pick. Donc, mais pour le joueur, négatif, parce que justement, je pense
qui tombe dans une équipe où malheureusement il a besoin d'une équipe qui croit en lui. Il a besoin d'une équipe qui est capable de rebâtir sa confiance. Mm-hmm. Parce que DeAndre Ayton, il n'y a aucune question qu'en sortant du draft, là, il était bourré de talent. Puis il nous a même prouvé à un certain niveau dans NBA qu'il était capable de jouer dans NBA. Mm-hmm. Mais comme tu dis, il faut qu'il soit coaché, il faut qu'il soit bâti avec la confiance, il faut que quelqu'un lui donne un petit peu du love et tout. Puis je pense pas que c'est au Trailblazers qui va avoir ça, parce que Trailblazers veut rebuild. J'ai aimé qu'une équipe lui donne une chance, une équipe avec un bon coaching staff. L'équipe comme San Antonio, je pense que ça aurait pu être bon pour lui. Ouais. Mais ouais, pour lui, je pense que c'est un loss, malheureusement. Puis je pense que, comme tu dis, il trouvera pas le moyen de refigure son game à Portland, puis ça va probablement être la fin de sa carrière. À moins qu'il y ait un autre shot, mais ça va être off the bench, puis c'est ça. Ouais. Il a totalement raison. C'est les mots de ma bouche. Plus que ça, je sais pas quoi dire, parce que irrelevant pour les Blazers. Il n'y aura pas de guard qui peut lui faire une passe. S'il faut qu'il domine, il faut qu'il demande des rebounds. On a déjà vu que DeAndre Ayton pas fort là-dedans. So, il va faire quoi? Un ou deux blocs par game. Puis that's all, ça va juste être ça sa carrière. Il va rim peut-être. So, non. Pour les Blazers, ils ont la pire équipe de la ligue. Puis DeAndre Ayton va sûrement die là. Next question. Ah, vas-y, Kaza. Juste dire que je suis tout à fait d'accord avec Jalil. Les Blazers sont irrelevant, donc DeAndre Ayton, pour eux, c'est the only way is up quand t'es déjà at the bottom. Or out of the league. Exactement. Next question. Suns. Moi, je pense, je veux dire mon commentaire, je pense que les Suns ont fait le meilleur move. Se débarrasser de Ayton, un fake rebounder, fake défensif, fake offensif. Avoir des vrais joueurs défensifs et des gars de perimeter. Joseph Nurkic pour le rebound, pour donner le ballon à Booker quand il a besoin ou à Durant. Excellent, il va faire sa job parfaitement. Grayson Allen, quand Durant et Booker n'ont pas la shot, tu l'envoies à Allen sur le corner, corner 3, il rentre. Nassir Little et Keon Johnson, c'est juste des benchers, je m'en fous. Mais Nurkic et Allen, c'était vraiment des bons choix. Je pense que les Suns cette année, this trade for them was the best trade they could ask for. Benti? Je suis d'accord avec toi. Puis je trouve que Grayson Allen, non seulement t'amène un 3-point game, pas qu'il te manquait, mais aussi t'amène je veux pas dire un floor commander parce qu'il t'a pas encore prouvé qu'il peut commander le floor. Mm-hmm. Mais si jamais Booker se blesse, au moins t'as quelqu'un qui peut monter la balle pour toi puis ouais, faire des jeux pour toi. C'est vrai. Puis c'est mon opinion. Moi, je pense un dub aussi. Kaza? Je suis d'accord avec vous deux. Grayson Allen est aussi un joueur qui est reconnu comme un defender emmerdeur. Mm. Il a tendance à blesser les autres, donc c'est un plus pour les Suns. Kinda, mais c'est ça. Je trouve que avec les additions qu'ils ont fait durant le off-season, ils vont être un vrai contender dans le Western Conference pour peut-être top les champions de maintenant qui sont les Denver Nuggets. Jalil, quoi pour les Suns? Ouais. Écoute, là, c'est, j'ai une opinion qui n'est pas populaire en général à chaque fois que je le vente, mais Kevin Durant est le joueur le plus overrated de l'histoire de la NBA. T'es pas le seul. Puis c'est ça, I don't believe in the Suns. Absolument. Moi, écoute. Parce qu'ici, t'as tous des héros de Kevin Durant ici. The snake. T'as personne ici qui est dans la main avec Kevin Durant, puis on te back up tout là-dessus. Mais, à la fin de la journée, oui, c'est pas un bon, un joueur élite, comme les gens le hype, mais avec les backups qu'il y a avec un Booker et l'ajout des joueurs, des role players qui vont faire leur job correctement, je pense que Durant l'a prouvé avec Warriors, quand t'as des role players qui font leur job, c'est là que Durant succède le mieux. Moi, je pense que les gens sous-estiment le leadership que Chris Paul avait sur cette équipe-là, parce que cette équipe-là était nowhere to be found avant qu'il débarque là. Mm-hmm. Puis là, il s'en va. Je pense que ça va laisser un gros trou dans le locker room, d'après moi, parce que c'est pas Kevin Durant qui va remplacer le leadership de Chris Paul, ça, je peux te le garantir. Pour ça. J'avais seulement quelque chose à dire par rapport aux statements de Kevin Durant. Personnellement, je trouve que c'est Ben Simmons qui est la superstar la plus overrated of all time. Un gars qu'on disait que ça allait être le next LeBron James. Ouais. Ben Simmons, overrated, oui, mais était jamais un elite player. KD est un elite player qui est overrated. OK.
Alright, pour la NBA, c'était terminé. J'allais là, j'avais mis une petite section Quick Champions League pour Spenty. Non, c'est presque ben, je sais pas, j'ai jamais su si Jalil c'était un fan c'est de soccer. Non plus un fan de Champions League. On fait une petite section prédiction. Parfait. T'es good avec ça? Ouais. Wow, ouais. Une petite section, je voulais pas trop te rendre la dent trop, mais regarde, comme je m'embouillé. Chambouillé là-dessus. Ben, moi, honnêtement, moi, je vous conseille de pas prendre mon opinion sérieusement. Je connais pas assez ça, donc je préfère plus écouter et apprendre comme nos écouteurs. C'est ça qu'on voulait savoir. C'est ça, parfait. Donc, Champions League, première prédiction que j'ai mis comme game. Spenty va me jouer si c'est des mauvaises games ou pas. Inter Milan versus Benfica. C'est pas une mauvaise game. Je sais, attends, je connais mon soccer un peu. Ouais, t'as commencé. Depuis que tu fais le podcast, tu suis un peu le soccer. Moi, je vois quand même Inter Milan battre Benfica haut la main. Haut la main? 3-1, 3-0. Ouais. Inter Milan, son premier de la Serie A. Ils accordent aucun but. Ils ont accordé, je pense, un but, puis c'était contre AC Milan. Puis that's it. Puis ils ont marqué genre 20 buts déjà en genre 6 games. Donc, moi, je prends Inter Milan all the way contre Benfica. Benfica, pour moi, une équipe très défensive. Ils ont toujours eu une très bonne défense. Ouais, je suis d'accord. Donc, Milan, qui est une très bonne équipe offensive, moi, ça va faire un draw 1-1. C'est un beau take. Jalil? J'ai une idée, man. Je sais, c'est ça que je dis. C'est correct. C'est chill, on peut passer au prochain. Ouais, au prochain. Si on fait le soccer, that's all, puis on le fait. Ouais. Ok, next game, Napoli versus Real Madrid. Moi, Madrid, Champions Mentality. Napoli, une équipe qui est due pour la victoire de Champions League. Qui est due. Quand on dit qu'elle est due, elle est due. Donc, moi, je vais aller avec Napoli faire un upset contre Madrid. Mon cœur veut que Napoli gagne. Que c'est une équipe italienne. Mais qu'est-ce que j'ai vu cette année? Depuis le début de la saison, ça va mal avec le coach. On dirait que des fois, il ne sait pas utiliser ses joueurs offensifs de la bonne manière. Il y a beaucoup de des joueurs offensifs qui ont déjà commencé à pas jouer le coach, mais comme lui montrer que comme je dois marquer des buts, puis il faut que tu me joues de manière différente. Pas en Real Madrid cette game-là. Puis ça me fait mal au cœur de dire que Napoli va perdre. Ok. Next game, PSG versus Newcastle. Écoute, PSG, ça reste PSG. Newcastle sont undercover présentement. Undercover live. On parle d'eux comme cette année. Avant, Newcastle n'était pas existant. Je vais prendre PSG. On veut Newcastle. Je veux dire, la vraie affaire. Newcastle joue très bien. Arrête là. Mieux que PSG. PSG sont trash depuis le début de l'année. Hands down, ils viennent de taille 0-0 contre Clermont. Il y avait genre 21. C'est ça que j'étais en train de dire à Jalil. J'ai perdu un pari à cause de PSG. Ils ont eu 21 shots. 10 on target, 0-0 contre Clermont. Mbappé jouait, Kolo Muani jouait, Dembélé jouait. Bon, j'ai vague sur cette team. Cette team, peu importe qui tu mets dans cette team, elle va rester trash. Trash. Hein? Le meilleur résultat, ce serait que ce soit un draw. Comme ça, les deux ont un point, puis moi, je suis bien content. Mais, je vois Newcastle gagner. Upset. Leipzig versus Man City. Last game prediction. Leipzig vient de tie. Ouais. 2-2 Bayern. Yes, exact. City vient de perdre 2-1 contre Wolves. Moi, avec le trend, Leipzig aussi. Je trouve que City va choke cette game-là, je pense. Va choke, ça va être un upset, puis tout le monde va en parler. Leipzig, c'est ça qu'ils ont fait contre Bayern, Leipzig. Ils ont donné toute la possession à Bayern. Ils ont dit, moi, on va hit sur le counter, puis on va marquer des buts. That's it. City va être bien content d'avoir toute la possession, puis quand tu vas te faire hit par un counter, that's easy. That's easy. OK, that was it for today. Premièrement, je veux dire un shout-out à Jalil, absolument. Shout-out, man, vraiment. Premier invité de l'histoire de SFB News. C'était le fun. C'était vraiment nice d'avoir. Vraiment, ton knowledge était apprécié. Tes commentaires étaient appréciés. Tes takes étaient on point. Vraiment, merci beaucoup. Et c'est comme je te dis, c'est sûr qu'on va te réinviter de manière plus... Non, c'est à moi de vous remercier pour l'invitation. Honnêtement, c'était un plaisir. Puis,
N'importe quand, vous voulez d'autres takes, qui est le take, je suis prêt à venir, man. C'est parfait. Un vrai, vrai, vrai plaisir. On aura peut-être besoin de toi la semaine prochaine quand les Vikings vont perdre contre les Chiefs. Vraiment, ça. Donc, vraiment, merci. Ça, vous avez juste m'appeler comme ça que c'était une mauvaise journée pour moi, là, c'est ça? 100%. C'est pour ça. Donc, again, merci encore. Merci à tout le monde de nous écouter. Continuez à subscribe, follow, comment, like, partager. Vas-y, Spenty. Il y a le prediction du Monday night. Oh! Vu que... Est-ce que c'est un gros épisode? Il y a beaucoup de sons, beaucoup de choses à arranger. Non, je vais avoir le temps de le faire après, avant la game de demain. Ok, alright. Demain, on a... Vas-y. Je la vois pas. Seahawks contre les Giants. Jalil, ouais. Seahawks contre Giants. Ouais. The Seahawks. Moi aussi, j'aurais pris les Seahawks. Moi aussi. Même chose. Geno Smith. Daniel Jones, I don't trust him. Even though he progresses, he's not there yet. He's not him. No. Donc, so on est tous Seahawks? Tous Seahawks. All right. Yep. All right, guys. That's it. That's it. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, guys. Peace out.